Président de la délégation tunisienne de l'Académie nationale de cuisine française, délégation évidemment en Tunisie. Aujourd'hui, on s'est réunis pour mettre à l'honneur les trois ouvrages qui ont participé au grand concours de la littérature française. Donc, deux ont été primés et un a été retenu, c'est la même Zaïd, parce qu'il était vraiment formidable et qu'il était classé hors concours parce que son ouvrage ne fait partie d'aucune catégorie. Donc on vous a réunis, on s'est tous réunis pour la bonne cause, pour la gastronomie. On a aussi intronisé des nouveaux chefs pour agrandir petit à petit cette association. C'est des chefs qui le méritent et qui font du bon travail, que ce soit pour la Tunisie ou pour le pays ou pour le métier de cuisine que nous sommes. Ils sont tous là pour apprendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le compagnonnage, c'est de passer le savoir à des gens encore plus jeunes. Même Bilal, qui est jeune, qui a 30 ans, il a avec lui deux gamins en cuisine qu'il forme, il en a formé plusieurs. Je trouve ça extraordinaire. Donc il a cette herne-là, cette graine de chef, il l'a tout jeune, il a 31, 32 ans, il a déjà cette graine-là. Et c'est ce qui fait que ce monsieur-là, qui est déjà champion du monde de couscous, avec Taïb Ouhadra, pourront faire énormément de choses pour la gastronomie tunisienne. Merci.